Hello le monde, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, j'ai le grand plaisir de te présenter Malou. En tous les cas, de lui laisser la parole parce que c'est une belle personne que j'ai pu rencontrer. Ça fait la quatrième fois déjà. Ouais. Et je viens de t'écouter en conférence ici au Be Your Network, qui est une série de soirées justement sur le networking pour rencontrer de nouvelles personnes. Et donc ben voilà Malou, je ne parle pas le plus longtemps, je sais que tu as beaucoup de choses à partager et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es, d'où tu viens et voilà dans la limite de ce que tu as envie de partager évidemment. D'accord, eh ben, enchanté de vous causer, ravi de faire votre connaissance, de faire ta connaissance. Alors moi c'est Malou comme il dit, moi je viens de Haïti, ça fait 25 ans que je suis en Belgique. Et voilà, j'adore ce pays, c'est devenu le mien d'ailleurs. Et ça, je dois vous dire qu'au début, j'aimais bien toujours ce pays, mais c'était pas aussi joyeuse que maintenant. Hein. Maintenant, c'est vraiment, je crois que la vie a plein de dents. La vie, j'ai toujours aimé, maintenant, je l'aime encore plus. Alors, mon parcours, c'est quoi? Arrivé ici, ça fait 25 ans, avec 3 enfants en bas âge, et au CPAS, puisque j'étais candidate réfugiée politique. Eh ben, la vie a fait que, voilà, j'ai fait des menus travaux, des trucs que j'aurais jamais osé faire dans mon pays et que je n'osais même pas avouer au début, mais que maintenant c'est mon histoire, j'en suis très fière. Eh ben, grâce à tout ça, mon parcours, j'ai rencontré une fois quelqu'un, on me dit en une seconde de temps, je dis ma formule c'est toujours, dit, tant qu'on a une tête, on peut porter un chapeau. Eh ben, voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné sa carte, qui était marqué phytothérapie aloe vera. Et depuis, ça va faire 10 ans, ce mois, c'est mon mois d'anniversaire, 10 ans de Forever. Hein. Oh, ben, tu t'imagines? Félicitations, bon merci. Anniversaire. Mais oui, 10 ans de Forever. On va boire un verre après. Mais oui, hein, que j'ai rencontré ma marraine Sihem, qui m'a montré ce métier, dont je suis tellement fière. Et ça fait 10 ans que je suis investie d'une mission. Ma mission, c'est quoi? Quand j'ai rencontré Forever, je n'allais pas bien. J'étais obèse, 125 kilos, j'avais des bobos partout, l'âge, hein, parce qu'à 53 ans, on a mal partout. Mmh. Et bien maintenant, au jour d'aujourd'hui, voilà, je suis en pleine forme, je me sens 36 ans, pétillante. J'aime ma vie, j'aime mon job. Et ce que j'adore le plus, c'est les gens. J'ai toujours aimé les gens finalement. C'est ça qui m'a mis sur ce chemin, aimer les gens, aider les gens. Et bien là, maintenant, je suis à la tête d'une équipe magnifique. Voilà, je vous salue tous, mes filleuses, vous entendez? Voilà, elles sont là, je les aide à grandir, à même me dépasser. Et moi, j'ai envie qu'ils me dépassent tous. Ça, c'est quelque chose que tu as partagé. Ah, c'est mon moteur. Moi, je suis tellement fière de voir mes filleules qui sont mieux que moi, finalement, dans l'histoire. Hein, parce qu'elles m'apprennent des choses, elles font des syllabus, elles font des formations, elles me portent. Finalement, on se porte les uns les autres. Et voilà, ça c'est tout le secret de ma réussite et voilà. C'est génial parce que dans la conférence, tu partageais justement ton histoire. Donc, tu es rentré un peu plus dans les détails. Il y avait plus de temps, évidemment, que dans la vidéo ici. Mais moi, ce qui m'a marqué positivement, bien sûr, c'est le fait que tu n'as rien lâché et que tu as... En fait, tu as dépassé certaines choses... En fait, tu as fait des choses que d'autres n'auraient peut-être pas accepté de faire par orgueil ou par ego plutôt. Pas par orgueil, par ego. Est-ce que tu pourrais partager, si c'est OK pour toi, un petit peu comment faire pour, quand ça ne va pas, continuer? Qu'est-ce qu'il faut se dire? Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête? Certes, on a une mission, mais ce n'est pas parce qu'on a une mission que tout est rose tous les jours. Voilà, dans les moments difficiles, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ou qu'est-ce que toi, tu aimes faire dans ta vie? Moi, quelque part, les moments difficiles, moi, j'ai toujours tout accueilli. Moi, j'ai eu cette capacité d'adaptation. Tu vois, j'ai quitté Haïti, je suis rentrée ici. La vie que j'avais en Haïti, j'avais une vie, j'étais une petite reine dans mon pays. Hein. J'étais chef d'entreprise, j'avais tout. Et j'arrive ici, j'ai dû faire des ménages. Tu sais que quand j'allais faire des ménages, je bénissais ce ménage que j'allais faire, qu'elle allait donner à manger à mes enfants. Pour moi, c'était comme ça, c'était le passage pour... Et quand je pensais à mes enfants, il fallait que je le fasse. Et quand j'arrivais, j'étais une femme de ménage, de circonstance, pas de profession, et j'étais accueillie comme un membre de la famille. Quelque part, ça mon caractère, je crois, m'a sauvée. Et quelque part, les mecs qui travaillent ne sont jamais sales. Et quand maintenant j'ai rencontré Forever, que j'ai senti qu'il y avait là vraiment un renouveau, ma dignité, ma santé et tout, là j'ai dit... Malou, tu fonces. Et même quand j'avais peur, parce que j'ai eu la trouille, hein, t'imagines, je ne représentais pas du tout ma marque, mais il fallait oser aller, parce que sans les gens, on n'est rien. C'est vrai. Eh bien, j'ai dû me dépasser, mettre ma peur et dire, et avoir la réflexion, mais cette personne qui est devant moi,
elle est quelqu'un comme moi. Elle fait tout comme moi. Je la pique. Elle a mal, moi, on me pique, j'ai mal. Finalement, Malou, vas-y. Et cette personne pouvait être un maillon pour t'aider à aller où tu veux. Et finalement, la vie, c'est ça, c'est un, les uns avec les autres. Hein. Ouais. Et mon métier illustre bien qu'on n'est rien sans l'autre. Et comme il disait tantôt, team égale together, everyone achieve together. Eh bien, écoute, je suis en tout cas ravi d'avoir pu échanger avec toi. On pourra faire une autre vidéo, si tu veux, une fois, dans un cadre un peu plus calme, plus long, pourquoi pas. En tout cas, moi, j'adore le partage et je te remercie parce que là, tu nous as partagé un grand message qui me fait plaisir et que on a beau connaître ce message du fait qu'il faut idéalement être humble, se dire qu'il n'y a pas de sous-métier, se dire qu'à un moment donné, ce qu'on fait, on le fait pour une bonne raison. Exactement. Et comme tu disais tout à l'heure, quand tu es allé faire les ménages, puisque c'est l'exemple que tu as cité, tu le faisais et c'était quelque chose qui te permettait d'aller vers. C'était pas une fatalité en soi. Non, pas du tout. Non, moi je le faisais parce que c'était comme ça. Mais non, je l'ai fait franchement de bon cœur. Et la preuve, c'est que toutes ces personnes, ce sont maintenant c'est des amis, c'est ma famille. On sort ensemble, on voyage ensemble, on va rester ensemble. J'ai jamais eu un sentiment d'infériorité par rapport à... Je sais qui je suis. C'est pas parce que Malou a fait des ménages qu'elle n'est plus Malou. Malou est Malou. Eh bien, je te remercie. Donc, c'est vraiment voilà, la distinction entre les actions que l'on fait et la personne que l'on est. Voilà. Merci beaucoup, Malou. Avec plaisir, avec plaisir. Et bien, merci de m'avoir choisi pour cette interview aujourd'hui. Hein. Je suis vraiment content parce que ça faisait voilà, quand même 4 fois, deux belles échanges. Et en plus, tu as une énergie de folie. Et d'ailleurs, comment te surnommes si tu acceptes de le partager, tes filleuls et les personnes avec qui tu travailles? Moi, j'ai trouvé ça trop mignon, tantôt. Moi, mes filleuls, elles adorent. Moi, je suis leur maman. Je suis leur marraine. Mes filleuls... Mes filleules, j'entends, j'ai l'impression que mes oreilles sonnent tout le temps. Parce que mes filleules, elles parlent de moi, elles me promotionnent, elles sont heureuses d'avoir et d'être dans mon team, elles sont heureuses d'avoir une marraine comme moi, toujours à l'écoute. Je ne juge pas, je ne réclame rien, je leur dis, c'est pour vous. Et moi, je suis là pour vous accompagner, pas pour vous porter sur mon dos. Tu vois, ça fait une grande différence. Hein? Moi, et voilà. Et je suis sûre que, je dis, ils sont tous des petits diamants. Ces diamants bruts, moi, j'aime bien les tailler et le voir ce qui sort. Et des fois, j'ai des surprises, mais des surprises, tu peux pas imaginer les surprises que j'ai. Tout le monde est capable de. Je dis, moi, si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Tout est possible. Et les beaux mots, c'est les beaux mots que je promotionne. Les vilains mots, même vilains, j'aurais pas dû dire là. Il n'y a que des beaux mots pour nous porter, être positif. Voilà, la vie est belle. Génial. Eh bien, écoute, j'espère que tu vas apprécier ma conclusion et ma phrase de conclusion, car je dis souvent en fin de vidéo, rappelle-toi que tout est possible à partir du moment où tu l'as décidé et à partir du moment où tu mets des actions en place. Impact positif et bienveillance. Merci beaucoup, tout Malou. Fait, voilà. C'est une belle conclusion, ça te plaît? Parfait, ça me plaît, ça me correspond tout à fait. Génial. Et à très vite. Donc, je vous mettrai les coordonnées de Malou en description de vidéo si vous voulez échanger avec elle. Et prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. À très vite. Au revoir. Merci.